C'est bon parce qu'il y a des gens qui c'est juste ça. Il est là Rinpoche, c'est juste chose. Oui, je crois que c'est ça effectivement, c'est juste. Oui, oui. Donc, je vais vérifier la photo là. Il y a Caroline qui n'arrive pas à se connecter.
Mais les gens, ils attends. Voient. Bonjour tout le monde. On attend encore la présence de Rinpoche. Et dès qu'il sera là, on va commencer. Est-ce que un de vous peut juste dire un petit mot, comme ça je regarde le son, si ça fonctionne bien. Ah, Rinpoche est là. Voilà. Il est là. Ouais. Le son marche. Ok, super, merci, c'est parfait. Il est donc là. Rinpoche, j'ai vu que Rinpoche s'est connecté, il va arriver dans un petit moment en ligne, quoi. Enfin, il sera un petit moment présent. Hello. Hello, Rinpoche. Tashi Dele. Good morning, Rinpoche. Tashi Dele. Tashi Dele. Wait, it's very low. Yes, suddenly today, our internet gave away somehow. So they're trying to fix it right now. So I will just use my phone for the moment. Can you hear me? Yeah, no problem. Thank you, Rinpoche. So, Rinpoche, in the name of the smaller center of Switzerland, Sakya Deshen Ling, I would like to welcome Dotulku Rinpoche and all people who are connected to receive the precious teachings of Dotulku Rinpoche. Due to the sanitary situation and to the weather conditions, we decided to transfer this precious teaching via Zoom, and we are very happy to do this. Otherwise, it would not have been possible. So I thank you, Dotulku Rinpoche,
and everybody for your comprehensions, for your understandings, and I wish to you a very good time in the presence of Rinpoche. Next time, Rinpoche will be physically in Bohm, January 29 and 30, and hopefully it will be possible. We are very looking forward very much. Thank you very much, Dotulko Rinpoche. Thank you, everybody. Je vais vite traduire. Donc, du centre. It's my cell phone. Yeah. Du centre Sakya Deschenling, donc je vous souhaite la bienvenue, Dotulko Rinpoche. Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir ici. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Dû aux conditions sanitaires et météorologiques, on a décidé de faire ça via Zoom. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir sur Internet plutôt qu'en présence. Le 29 et 30 janvier, il y aura encore un week-end. Ce sera la suite, la deuxième partie de cet enseignement sur les 37 pratiques des bodhisattvas. On espère que Rinpoche pourra être présent physiquement. Alors, en tout cas, on vous souhaite un très bon moment avec nous aujourd'hui et demain. Voilà, merci. Yeah. I got it. Anne, il t'a demandé. Yes, yes, Rinpoche. Looks like it's very slow, Andreas. So this is not really working. But we hear you very well and we see you very well, so Rinpoche. Yes, I'm trying to use the Wi-Fi because this is my cell phone internet. Mm-hmm. So someone is trying to fix that right now. Donc pour la traduction, Rinpoche essaye de se connecter avec le Wi-Fi. Ah non, it doesn't work. Pour l'instant, qu'avec son téléphone portable. Mm-hmm. So, shall we wait a little bit? So, Andreas, maybe. I forgot to thank you for the translation. Pas de problème. Can you, Andreas, can you point the lead? Press the lead. Yeah. I will rejoin again. Yes, Lee, Brett Lee. Yeah, thank you. One more time, thank you. Ouais, il a dit qu'il allait se reconnecter. Reconnecter, ouais. Ouais. Donc c'est. Moi, j'entends pas tout bien. Je suis vraiment. T'es pas trop fatigué. Hein? T'es pas trop fatigué. Je sais pas ça, mais j'entends mal. Mais je suis. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot? Je suis en train de tester le haut-parleur. Oui, on vous entend bien. Ah, super. Parfait, merci.
Hello. So much trouble early in the morning. We need to do a little bit of Tara or Mahakala, you know. First, I'm supposed to be there sometime in November. Then we postpone it to December. And then now we cannot do it there at all, only through online. Donc nous devions normalement nous devrions faire une pratique de Mahakala ou Tara pour enlever les obstacles hein, vu comme ça a été compliqué. Au début je devais venir d'abord en novembre puis en décembre et finalement on le fait en ligne, mais l'important c'est que ce soit quand même possible. Well, so good to see you guys and thank you so much and for asking me to go through this really marvelous, wonderful text. Donc, je suis très heureux de vous voir et d'être en ligne avec vous. Et merci beaucoup de m'avoir demandé de travailler et de partager ce merveilleux, ce magnifique texte qu'on va travailler aujourd'hui. And all of you who have been involved in this, and especially the organizers and the translators. Donc je remercie les organisateurs et le traducteur. Chogu tablo ningi kolo namsam kangi chadanso nyesem tachi tambe meba tegun gumbe zuzuji jese tu namdar sabjin jase tala nirzoz yabjin yele lajen tala rewa maji kalngen da nyinsem kundu jamyang kube samjin cheji tukji shu chungse menye menye tadung chunye majo pad chapshan sol waro majo roji Hum,
So, please cultivate your motivation. Donc, je vous invite à cultiver une motivation pure. Speakers and listener alike. Que ce soit celui qui s'exprime ou celui qui écoute. Whether this gathering is a Dharma practice or not depends entirely on motivation. Que cette pratique que l'on fait de l'enseignement soit une pratique spirituelle ou pas dépend entièrement de notre motivation. Shakyamuni said that all phenomena follow causes and conditions, and among causes and conditions, motivation is supreme. Le Bouddha Shakyamuni a dit que tout est fonction des causes et conditions, et parmi les causes et conditions, c'est la motivation, l'intention qui est suprême. Suppose that is the only difference between a good person and not a good person. La seule différence entre une bonne personne et une mauvaise personne. Especially here in Buddha Dharma, motivation is the beginning, motivation is the vow, motivation is the path, and motivation only through motivation result is possible. Donc, particulièrement ici dans la pratique du Bouddha Dharma, la motivation est le début. La motivation, c'est donc les vœux et c'est le chemin. La motivation est suprême. A great act, external great act, without proper motivation, bears very small result. Donc, un grand acte, une grande action, apparemment extérieure, mais qui n'a pas une motivation correcte, ne porte que très peu de fruits, très peu de résultats. Whereas a small act with a grand motivation can bring far superior result. Alors qu'une petite action avec une grande motivation peut apporter des résultats largement supérieurs. Because this is our path. Our path is corresponding to the type of result we want to have. And the result is a complete enlightened being. So then the path has to go towards that. Donc notre chemin correspond au type de résultat que l'on aspire à obtenir. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est atteindre à l'éveil. Donc notre chemin doit correspondre à cette aspiration. Now, enlightenment, nirvana, freedom,
It's not a physical thing. L'éveil, le nirvana, la liberté, c'est pas une chose physique. It is totally dependent, or it is totally named upon freedom of the mind of the Buddha and transformation of an ordinary mind into omniscience. En fait, ça dépend totalement du fait de transformer un esprit ordinaire en un esprit omniscient. So the path has to be transformation of the mind. Donc le chemin doit agir sur la transformation de l'esprit, permettre la transformation de l'esprit. Yes. And so, in this tradition, in our tradition of Shakyamuni Buddha, external phenomena, sort of outer act, is not that important. Donc, dans notre tradition, dans la tradition du Bouddha Shakyamuni, les actes extérieurs ne sont pas tellement importants, ne sont pas si importants. When you understand cause and effect, when you understand the illusory nature of phenomena, quand vous comprenez donc la loi de cause et effet, quand vous comprenez la nature illusoire des phénomènes, with that type of trust, Shakyamuni says, when someone offers a flower to me, a real flower to me while I am alive, someone else offers a real flower to my stupa, where my relics are, or someone offers imaginary flower, you know, just imaginary flower to an imagined physical form of me, there is no difference, he says, in the merit. Avec donc ce type de confiance dans la loi de cause à effet et de la nature illusoire des phénomènes, quand quelqu'un offre une fleur physiquement à une représentation de mon corps, ou quand quelqu'un visualise m'offrir une fleur à ma forme visualisée, il n'y a aucune différence au niveau des mérites qui sont accumulés. Now, ordinarily, motivation can be to become a better person. Donc, au niveau ordinaire, la motivation peut être de devenir une meilleure personne. And that's not bad. Donc, ça, c'est pas mauvais. Hein? But really not enough here. Mais ce n'est vraiment pas suffisant ici. This is 37 practices of Bodhisattva. It's really, really the essence of the essence of Buddha's teaching. Donc ici, les 37 pratiques des Bodhisattvas, c'est l'essence des enseignements du Bouddha. It is a complete path. C'est un chemin complet en lui-même. You know, all the teachings, they like to say that this is a complete path. En fait, tous les enseignements disent que c'est un chemin complet. Sorry, but many teachings, either they show a lot of aspects of physical sort of characteristics, or they mainly deal with sort of mental transformation only. But this one, it really teaches us how to behave, how to speak, and how to contemplate. Donc, que ce soit le chemin parle des caractéristiques ou de la transformation mentale, ici, l'enseignement qu'on reçoit explique comment se comporter, comment agir, comment être par rapport à la pratique. So then the motivation has to be
similar to that, fitting to that. So for the sake of the liberation of all sentient beings, I must attain complete enlightenment. And for that and only that reason, I'm going to study this text. Donc là, ici, la motivation doit être à la mesure de cet enseignement, c'est-à-dire souhaiter atteindre à l'éveil parfait pour l'immensité des êtres sensibles. And you can also remind yourself that because of us, our gathering here, the longevity of this text is lengthened. Donc là, vous pouvez aussi vous mettre en perspective la longévité de ce texte, depuis combien de temps il existe. That alone is a great service to Dharma. Et ça, c'est un grand service au Dharma. Our author of this text is Jesimuchu Tome Zampo. Donc l'auteur de ce texte c'est Togme Zampo. Togme Zampo, oui. Throughout the sessions, either in this weekend and also maybe in the next weekend too, probably we will not finish it all in this weekend. I will refer to his biography sometimes. Donc, au cours de ce week-end et au cours du prochain week-end, je pense qu'on n'arrivera pas à le finir ce week-end, je vais me référer à sa biographie aussi. This is very important. C'est donc très important. Difference between this kind of spiritual text or teaching and a worldly manuscript. Je suis pas sûr d'avoir compris. Can you repeat? Sorry, I didn't get it. This is the really difference between how we value writings, a spiritual writing, and how we value mundane writings. Okay, c'est la différence entre combien on valorise un écrit spirituel par rapport à un écrit mondain ou ordinaire. In the worldly sense, you know, the author is known through his or her works. Dans le sens ordinaire, un auteur est connu à travers son texte, son écrit. Can be a complete hypocrite. Doesn't matter as long as the book is good. Ici peut être complètement hypocrite, peu importe du moment que le livre est bon, que le texte est bon. So traditionally, in order to check that, what they do in the monasteries and nunneries and so on, they first talk about the author. Donc, pour être clair, pour être sûr par rapport à ça, dans les monastères, on va d'abord parler de l'auteur, de qui il est. Because if the author is not a practitioner, honest practitioner, it's kind of meaningless then, however nice, wonderful, and perfect the book may be. Donc, c'est essentiel donc de s'assurer que l'enseignant, que la personne qui a écrit, soit quelqu'un qui est une personne authentique et bonne, parce qu'autrement, ça n'a pas de sens d'étudier un texte, peu importe s'il est très bon, si le texte lui-même est très bon ou pas. I think it's quite important these days too. Et je pense que c'est très important également de nos jours. Because this is very strong in the West.
you know, revering the person because of what the person wrote, not revering the book because this person wrote it. Donc je crois que de nos jours c'est très important de aussi de révéler qui est la personne. I'm not sure to have caught the last part of what you said. Not revering the book because this person wrote this book. Ah oui, donc de pas révéler le livre parce que cette personne a écrit ce livre, pardon. Yes. Meaning without meaning to criticize anybody, but these days how it works, as far as I can see, is that not for everyone, but quite a number of people, that first you write a book and then the book works, and then slowly you become a Dharma teacher. Like that, you know what I mean? Donc, sans vouloir critiquer, de nos jours, on écrit un livre, et puis petit à petit, il a du succès, et ainsi, on devient un enseignant du Dharma. That's not good. C'est pas bon, ça. You can write anything you want. Mais on peut écrire tout ce qu'on veut, en fait. Recently, I saw an advertisement online in a very dark corner of internet that a published Rinpoche wants a shadow writer. Donc récemment j'ai vu une annonce en ligne sur un recoin sombre d'internet que Rinpoche, j'ai pas compris. Hein? Il y a Rinpoche qui voudrait un shadow writer, c'est quelqu'un qui écrit pas à l'ombre, mais qui écrit sans donner son identité, son identité, d'accord, ouais, qui cache son identité. Mm-hmm. Yeah, but this is not like that, you know. This, I mean, Jasimuchu Tome Zangpo is not only just a well-known figure, but historic, and you can actually search, look for, you know, when was he born. From whom did he study? You know, how did he practice? How did he live this life? Mais aujourd'hui, là, c'est pas comme ça. Togme Sangpo, on peut savoir où il est né, de qui, comment il a pratiqué, comment il a vécu sa vie, les détails en fait de son parcours. You know, it will, if you just look, you know, you will really gain some confidence in this person. Si on regarde juste en détail comment sa vie a été, on va avoir confiance en cette personne. I think he was born in Western time. He was born in 1297, suppose. So very early master. Donc, Togme Zangpo semble être né en 1297, donc il y a quand même pas mal d'années. And the time he was alive, this was the time when Lama Thamba Sonam Gyaltsen was alive. Donc, la période où il vivait, c'était la période où Lama Sonam Gyaltsen était vivant. I mean, so many others, but you know, like people like Bhutan Rinpoche, for example, was alive. C'était aussi une période où il y avait tellement d'autres maîtres extrêmement connus qui ont été connus comme Bhutan Rinpoche. Bhutan Rinpoche, yeah. These masters, and they were not just alive, but they were students and teachers to each other. Et ils n'étaient pas seulement vivants, mais ils étaient aussi maîtres et disciples les uns des autres à cette époque. Most people call him a Kadamba master, and rightfully so. Et la plupart des gens disent que c'est un maître Kadampa qui est véridique. Because his main practice, his main teaching was on the practices of bodhicitta,
Parce que sa pratique principale, son enseignement principal était sur la bodhicitta. Not on Mahamudra or Lamdre or anything like that. Donc, ce n'était pas sur le Mahamudra ou le Lamdre ou des choses très avancées comme ça. Some insist that he was he's a Sakyapa master. Certains insistent pour dire qu'il était Sakyapa, que c'était un maître Sakyapa. I think for himself, if you really look into his biography, he didn't really belong to any particular tradition. He received a lot of Sarma tradition. En fait, si on regarde en détail sur sa vie et son parcours, il n'a pas vraiment fait partie d'une seule tradition. Et il a fait partie des enseignements Lamdre, la tradition Lamdre. Sarma tradition. Sarma, pardon, la tradition Sarma. Yes. Okay. Now this text, the 37 practices of Bodhisattva, really, as I said before, it is really the essence of essential sort of teachings of Buddha Dharma, and it was recognized as such. It spread all over Tibet in all traditions, Sarma, Nyingma, all alike. Donc, les 37 pratiques des Bodhisattvas, c'est, comme je l'avais dit, l'essence de l'essentiel des enseignements du Bouddha Dharma. Ça a été reconnu comme tel à travers tout le Tibet, donc ça a été vraiment diffusé partout dans le Tibet, et ça contient en fait l'essence des enseignements Sarma, Nyingma et autres. De toutes les traditions. De toutes les traditions. Almost, there is no other text like that. En fait, il n'y a pas d'autres textes comme celui-ci. Even parting from the four attachments, Sakyapas like to say, we like to say, it is, what is it, spread to all tradition. It's really not. when have you heard a Nyingma master or the Karmapas teaching parting from the four attachments? But this text, everybody wants to teach this text. Donc, par exemple, pour parler des quatre attachements, les Sakyapa disent que c'est leur tradition, ça vient de chez eux. Mais du coup, dans les maîtres Nyingma ou Karmapa ne partagent pas forcément cela. Par contre, ce texte, il est vraiment partagé dans toutes les traditions. Si j'ai bien compris. Strange to say that, but... I think this is really one of those rare gems. And when he wrote this text, it is said that he wrote it when he was sitting on top of, on a roof. And after he finished writing, a gust of wind came and it blew the pages in all directions, and he didn't find them. But he said, this is a sign that this teaching is going to spread in all directions. And it's going to benefit beings in all directions. Donc, ces enseignements, c'est comme un joyau rare. Et on dit que quand il l'a enseigné, il était assis sur le toit de sa maison ou de son monastère. Et que quand il a fini d'écrire, il y a eu un vent assez fort qui est venu et qui a en fait répandu, qui a dispersé toutes les feuilles partout, tout autour de lui. Et du coup, on dit que c'est, ou il a pensé que c'était un signe que ses enseignements se répandraient partout dans toutes les directions et iraient loin. Yes. Now the text itself, as it suggests, 37 practices, it has 37 stanzas. Donc le texte lui-même, c'est 37 pratiques, 37 stances. Strophes, voilà. Ouais. I mean, it... There are 37 stanzas that shows 37 practices of Bodhisattva. Donc en fait, il y a 37 strophes qui montrent 37 pratiques des Bodhisattvas. It starts with Namo Lokeshvaraye. Ça
Ça commence avec Namo Lokeshvaraya. Meaning prostrations to the Avalokiteshvara. Qui signifie on se prosterne devant Avalokiteshvara ou Chenrezi. Just this alone. One reason you can say why he make prostrations to Avalokiteshvara is that Avalokiteshvara being one of the four Kadamba deities. Une des raisons de faire cette prosternation devant Avalokiteshvara, c'est que c'est un des quatre déités des Kadamba. Because this Kadamba tradition that was started in Tibet by Adisha Dibamkara really, really sort of focuses on the cultivation of bodhicitta. And for that, they depend on Chenrezig. Dans la tradition Kadampa, on s'appuie sur les écrits de Atisha Dipamkara et la pratique de cultiver la bodhicitta est essentielle. Just as praying to Manjushri, making homage to Manjushri, among all the other things, one of the things it does is that it makes you it enhances your intelligence. Donc je reviens juste sur ce que j'ai dit avant. En fait, la pratique de la bodhicitta, c'est donc centrale dans la tradition des Kadampa et de ce texte. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'appuie sur Chenrezi qui permet de développer la compassion. À la mesure que si on prie Manjushri, cela permet de développer notre intelligence et notre connaissance. Making prostration and praying to Vajrapani dispels obstacles on the path. Comme quand on se prosterne ou on prie devant Vajrapani, cela permet de dissiper les obstacles sur la voie. Similarly, praying to Avalokiteshvara generates compassion. Et de la même façon, si on prie Avalokiteshvara, cela permet de générer la compassion. It does so many things. It makes you fearless. Ça fait énormément de choses, ça vous rend sans peur. Because Avalokiteshvara blessed his name, saying, "In future, whoever wants to speak in front of others, if they recite my name, they will become fearless." On dit que Avalokiteshvara il a béni son nom de façon à ce que quand on ne serait-ce que réciter son nom, on sera sans peur et on pourra parler devant les gens sans avoir de crainte. And it generates, sorry. And because it generates immense compassion within you, it automatically attracts beings towards you. Parce que ça génère une grande compassion à l'intérieur de vous-même, cela attire les gens vers vous. Namo Lokeshvara. Now the first stanza is again prostration to his guru, who he sees inseparable from Avalokiteshvara. Et donc la première strophe, ça parle du fait qu'il se prosterne devant son maître qui est inséparable d'Avalokiteshvara. Kangi chukun do mesikang. Devetun la chik du tsunze la macho dan chere zigun la tado gosu kebe chasan lo. Et qui est en français? Je vais attendre qu'il
Toujours rempli d'un profond respect par mon corps, ma parole et mon esprit, je vous rends hommage, suprême lama et protecteur, Seigneur Chenrezig Avalokiteshvara, qui est à la fois un et unique pour œuvrer inlassablement en faveur de tous les êtres vivants. Bien que vous ayez perçu que toute chose ne possède ni aller ni venir. Tu sais, Seigneur Chenrezig? Yes, oh, Seigneur Avalokiteshvara. Okay. Now this praise is, you know, acknowledgement of Chenrezig's, external and internal contacts. Donc cette prière parle en fait du fait de reconnaître Chenrezig comme la conduite extérieure et intérieure. Kanki chugun drom is the dance. You who see that there is no coming and going of phenomena. Bien que vous ayez perçu que toute chose ne possède ni aller ni venu. I think if someone who has never heard of Madhyamika teachings would think, what is this coming and going of all phenomena? Pour quelqu'un qui n'a pas entendu les enseignements du Madhyamika, il va se poser, mais qu'est-ce que c'est que cette chose de, il n'y a pas d'aller ni venu des phénomènes? Well, it means that you who see that there is that phenomena, they do not rise and they do not cease. They are not born. They do not sort of die or cease in ultimate reality in their true nature. Donc, ça parle en fait du fait que dans sa véritable nature, les phénomènes, ils n'apparaissent pas ni ne cessent. Il n'y a pas de commencement ni de fin au phénomène, dans la véritable nature ultime. Because to us, we see that they are born and they cease. Parce que pour nous, on voit qu'ils apparaissent et ils s'arrêtent et ils cessent. Is it a valid seeing? Not really, but we see it. Est-ce que c'est quelque chose de valide? Mais quoi qu'il en soit, on le voit, on le constate. No amount of emptiness teaching helps right now. Aucune quantité d'enseignement sur la vacuité ne peut nous aider là. Causes and conditions are together. Anger comes and goes. Attachment comes and goes. Devotion sometimes, compassion sometimes. Everything is being stirred up and down all the time. Ouais. Les causes et les conditions sont à l'œuvre. Là, parfois, on a de la colère, parfois, on a de la dévotion, parfois, on a de la compassion qui viennent, qui partent, qui montent et qui s'arrêtent sans arrêt. We have been going through this for so long that we believe that this is the only thing that is real. On a vécu cela depuis tellement de temps qu'on croit que c'est la seule chose qui est véritable, qui est juste, qui est vraie. We cannot imagine how it would be to go beyond this. On n'arrive pas à s'imaginer comment ce serait si on pouvait aller au-delà, comment aller au-delà de ça. You know, which is why which is why people go into nihilistic views, you know, people slide into nihilism when they try to practice emptiness. C'est pour ça que parfois les gens, quand ils essayent de pratiquer le nihilisme, les pratiques de vacuité glissent vers le nihilisme. Because we think, how it would be
when I don't have, you know, when I see that nothing really exists, then we think that it's like entering a blank space. Parce que quand on pratique la vacuité, c'est comme aller dans un espace vide, en fait, blanc, où il n'y a rien. You know, it's difficult to imagine how it's difficult to imagine a mind that has no attachment, no anger, no desire, no thoughts, you know. So we think it's like a table or a vegetable, it's useless, you know. C'est difficile en fait d'imaginer un esprit qui soit libre d'attachement, libre de saisie, comme une table qui n'aurait pas de légumes, c'est ça? I'm not sure about the last example, sorry. Like, we think it's like an object. We will become like an object, like a vegetable. Deviendrait du coup comme un objet, comme un légume. People have actually, I have been asked, you know, people say, how is it? How will it be? I don't know. But judging by this text, that's really not the case. Les gens se demandent vraiment comment c'est du coup de vivre cela réellement du coup dans cet état ultime, et cet enseignement explique clairement pour comment c'est. Because we are stuck in dualism. On est pris dans la dualité. So either it is this or that. Donc c'est soit ça soit cela. Either things exist or they don't exist. Donc les choses soit existent ou n'existent pas. So then, this type of mind will ask, if there is no sentient beings, why should I have compassion? No. Du coup, ça pourrait amener à cette pensée, mais puisque les êtres n'existent pas, pourquoi devrions-nous avoir de la compassion? This type of confused mind will say, why practice path? Why make prostration? Just, you know, everything is empty. Just see that. Donc, ce type de réflexion pourrait amener à dire, mais comme c'est vacuité, comme ça n'existe pas réellement, pourquoi pratiquer la voie? Pourquoi avoir de la compassion? Ou, voilà, pourquoi pratiquer? Just as even though all sentient beings do not truly exist in their nature, but the experience do not stop. They still experience suffering. They still experience joy. Similarly, now this is actually a contradiction in a way, you know, that they do not truly exist, yet they experience phenomena. En fait, ça peut paraître comme une espèce de contradiction. D'un côté, ils n'existent pas, et en même temps, ils continuent à expérimenter des sensations, de la souffrance, de la joie, et de ressentir des choses. Contradiction for a dualistic mind, I mean. Et ça peut paraître comme une contradiction d'un point de vue dualiste, un of esprit course. Dual. Not really contradiction. Actually, this is the only way how phenomena exist. En fait, c'est la manière véritable dont l'esprit existe. So similarly, he's saying, although you see the emptiness of all phenomena, this is also a word play with chenrezig, meaning looking with the wide eyes, you know. Et en fait, bien qu'on réalise la nature ultime de tous les phénomènes, c'est en fait aussi un jeu de mots du nom de Chenrezi qui dit qu'il a les yeux ouverts et qu'il voit tous les phénomènes. Yes. And it's also a word play. You said that, right? So? Yeah. Meaning, although you see the empty nature of all phenomena and all beings, yet you are working tirelessly for the sake of sentient beings.
as if they really exist. Ouais. Et donc, en fait, ça a dit, bien que vous réalisez la nature ultime de tous les phénomènes, vous œuvrez sans cesse au bien d'autrui. Et donc, il y a cette compréhension à la fois de la nature ultime et de voir les apparences. Now, this is the highest type of compassion. Et ça, c'est le plus haut niveau de la compassion. And in these two works, actually, he already teaches the entire path of Mahayana teaching in these two lines. Et en fait, dans ces deux lignes, Dogme Zangpo explique déjà l'entièreté des enseignements du Mahayana. So he says, to such a master and to such a teacher who is none other than Chenrezig in person, I make prostration with my body, speech and mind. Et donc il dit, devant un maître, devant un maître aussi parfait qui est indistinct du Seigneur Chenrezi, je m'incline corps, parole et esprit. Yes. Now starts the text, so to speak. Les parfaits Bouddhas accomplis, source de bonheur et de bienfaits, vous êtes la cause de la perfection du Saint Dharma. Il repose sur la connaissance des pratiques. Je vais expliquer ici les exercices des Bodhisattvas. Meaning, complete enlightened Buddha is the source of immense benefit to sentient beings. Donc là, il dit que les parfaits Bouddhas complètement accomplis sont une source d'immense bonheur et d'immense bénéfice pour les êtres sensibles. Think about when someone gain nirvana, whether become an arhat or become a sublime bodhisattva, but they gain nirvana. What does that mean? Pensez à quelqu'un qui atteint donc le nirvana, qu'il atteigne le niveau des arhats ou le niveau de nirvana ultime. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? When Sariputra and Moggallanaputra, Sariputra first met Assaji, you know, they were non-Buddhist masters themselves, Sariputra and Moggallanaputra at that time, and they were looking for a teacher who will show them a true path. And they met, Sariputra met Assaji. Donc, Sariputra et Moggallanaputra n'étaient pas encore bouddhistes, en fait, et cherchaient un maître. Et Sariputra rencontra en premier Assaji. Assaji was one of the first monks of Buddha. Assaji était en fait un des tout premiers moines du Bouddha, Shakyamuni. Sariputra saw this monk. He was very different from all the monks he had seen in his life. Very serene, the way he's walking, his conduct was beyond worldly. So he followed this monk and asks him, who is your teacher? What did the teacher teach you? Et Sariputra, quand il rencontra Assaji pour la première fois et quand il le vit, il le trouva très différent des autres enseignants. Et il était très inspiré par sa conduite, par sa manière de parler, d'être. Et donc, il a décidé de le suivre. Assaji says, my master is, my teacher is Buddha. I am a monk of Buddha.
And the teaching, I cannot teach like the Buddha, so I will just repeat what the Buddha said. So he recites few stanzas, you know, sort of few teachings. It's about the Four Noble Truths. It's about cause and effect. As soon as Sariputra just heard that, he saw the truth. You know, he was no longer, he gained the first bhumi to become arahat. Et donc, Sariputra lui demanda, mais alors, d'où viens-tu ou qui es-tu? Et il a dit qu'il était donc un disciple du Bouddha Shakyamuni, qui suivait les enseignements du Bouddha Shakyamuni. Et il a dit, je ne peux pas moi-même enseigner, mais par contre, je peux répéter quelques lignes de ce que j'ai entendu. Et il lui a donc enseigné, donc Asaji a enseigné à Sariputra les enseignements sur les quatre nobles vérités et sur la loi de cause à effet. Et Sariputra, quand il a entendu cet enseignement, a atteint immédiatement le premier niveau, le premier bhumi, une réalisation spirituelle, déjà rien qu'en entendant ces quelques vers. Immediately, you know, he made praise that, because of the kindness of the Buddha, I have now found something that I have never found in hundreds and millions of eons that I can remember in many, many lifetimes. I have never found this. You know? And rightfully so, because moment when someone sees the truth, moment when someone gains liberation, it's no more samsara, no more rebirth, no more suffering. It's an unimaginable phenomenon, you know. Donc, immédiatement, quand il a entendu ces enseignements et qu'il a atteint cette réalisation, il a dit, je n'ai jamais entendu quelque chose comme cela depuis des éons, depuis des ères infinies. Ça fait tellement de temps, en fait, que je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi profond. Et en fait, c'est effectivement, puisqu'au moment où on atteint ce premier bhumi, on réalise la nature des phénomènes et qu'on est au-delà de la souffrance, on passe au-delà, et donc c'est un vrai changement marquant. And not only such ultimate result comes from Buddha, but even when somebody offers a handful of sand to the Buddha, gets reborn as great kings like Ashoka. Et non seulement on a des résultats qui sont incroyables en entendant les enseignements, mais également si on fait, par exemple, une offrande, ne serait-ce que d'une poignée de sable au Bouddha Shakyamuni, on peut renaître comme un roi extrêmement puissant. So Buddha is truly a source of immense benefit to sentient beings. Et donc le Bouddha est vraiment une source de bénéfices immense, infini pour les êtres sensibles. That this type of Buddha or this Buddha doesn't come out of without does not appear without cause and condition. Le Bouddha n'est pas apparu sans qu'il y ait des causes et des conditions pour cela. The true cause of Buddhahood is practice of noble dharma, sublime dharma. La véritable cause de l'atteinte du niveau des Bouddhas est la pratique du Bouddha dharma, du dharma. Dharma. So he says, this is the only way. Only through practice of dharma you can become Buddha. Now, they lalishela ralipis. And how to practice dharma? He says, you have to learn how to practice dharma. So here, Mulchu Thongme makes this promise that he's saying, here, then I will teach the practices of bodhisattvas. C'est seulement donc à travers la pratique du dharma qu'on peut devenir un Bouddha. Et il faut donc apprendre à pratiquer le dharma.
Et Togme Zangpo dit ici que comme c'est la, je recite le texte, hein, vous êtes la cause de la perfection du Saint Dharma et comme ceci repose sur la connaissance des pratiques, je vais expliquer ici les exercices des bodhisattvas. Donc, Togme Zangpo explique ici la pratique. Taljur Chuchin Nyeka Tobdi Ter Tashin Korvet Sole Daljichir Nyindan Sendu Yelva Meparni Nyinsim Komba Jasil Lali Yin. Maintenant, par nécessité ou par hasard, vous êtes parvenu à ce radeau si difficile à trouver votre corps, afin que vous-même et les autres puissiez traverser l'océan du samsara. Efforcez-vous nuit et jour sans distraction d'écouter, de réfléchir et de méditer. Ainsi pratiquent les bodhisattvas. Taljur Tuchin Nyaga Tupdi Trinam. He is talking about the preciousness of human body. Donc là, il enseigne sur le caractère précieux de la renaissance humaine, d'un corps humain. And what to do what to do now since you have the precious human body? Et qu'est-ce que c'est d'avoir un précieux corps? I guess this is a very rational, logical argument. J'ai pas compris, ça oui. C'est un argument rationnel. Ah, c'est un argument très rationnel, ouais, logique. Mm-hmm. You know, when someone you see is wasting their life, is doing all kind of wrong things. One of the things that we say, tell them is that, oh, you know, you are born in such and such country, in such and such family, you have, you know, such and such qualities. Why are you wasting this? Quand on voit quelqu'un, par exemple, qui gâche sa vie, on lui dit, mais regarde, tu es né dans ce pays, tu es né dans cette famille, et puis on lui dit, pourquoi est-ce que tu gâches ta vie de cette façon? For example, I see on TV, you know, I see German local television sometimes, and they show a lot of homeless people living in Europe, you know. Je regarde parfois la télévision en Allemagne et ils montrent de nombreuses personnes qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de maison. Growing up in India, I never thought there are homeless people in Europe. Quand je vivais en Inde, j'ai jamais pensé qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de maison en Europe. I always thought, you know, if you have hands and legs, you can work. You have food, you have place, nothing to worry there. Je pensais que dès le moment où tu peux, t'as des bras et des jambes, tu peux travailler et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, tu peux avoir un travail. Problem in many countries is that even though you have such you know you are learned, you don't have jobs. Even though you can work, there is no work. Et le problème de nombreux pays, c'est que même si on est éduqué, même si on est capable et qu'on a les potentiels, on n'a pas de travail. People are homeless because there is no chance. Les gens n'ont pas de maison parce que ils n'ont pas reçu les opportunités. So the first time I saw this, I was shocked. Et donc la première fois que j'ai vu ça, j'ai été choqué. So what is going on? What is why? You know. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi c'est possible? Comment ça? You know, so a Buddha, Bodhisattva, looking at us sentient beings as human beings, seeing how we are wasting, really, really wasting precious. It's even wrong to say precious. There is no price to time. There is no price to this opportunity we have right now.
Donc les bodhisattvas, quand ils regardent une vie humaine, notre vie humaine, ils peuvent dire, mais c'est absurde de gâcher sa vie devant cette opportunité. Il n'y a pas de prix à notre temps et à notre possibilité en tant qu'être humain. Just the fact that you can just say Buddha, you can say Buddha, you know, just the fact that, I mean, unimaginable merit, unimaginable capacity, you know, just the fact that we can understand things like cause and effect, you know, we can, just the fact that we have such conceptual phenomena like benefit to all beings. Le fait possible de pouvoir... in human life, that's this type of ideas, you know. Ouais, ce genre d'idée de pouvoir avoir le concept, le simple concept de penser à un Bouddha ou de penser au fait de faire le bien de l'infinité des êtres sensibles. Ces pensées sont d'une valeur tellement immense, sont tellement précieuses, c'est tellement puissant, en fait, cette opportunité d'avoir la possibilité de penser à ça. So, not all human beings, not all human body is called a precious human body, though. Cependant, pas toutes les vies humaines sont considérées comme des précieuses vies humaines. So traditionally, they talk about 18 points, 18 qualities that a precious human body must have. Et traditionnellement, on parle de 18 qualités que la vie humaine doit avoir pour être considérée comme précieuse. But you can shorten it, those 18, no need to say all the 18, just talk about what they mean. En fait, il n'y a pas besoin d'identifier toutes ces 18, on peut juste se ramener à qu'est-ce que cela signifie véritablement. First of all, being born as a human being. Tout d'abord, être né comme un être humain. And then being born at a time when there is Buddha in this world. Être né dans un moment où le Bouddha est apparu dans ce monde. Or there is Buddha Dharma in this world. Où le Bouddha Dharma est disponible dans ce monde. And there are honest practitioners in this world. Il y a des pratiquants authentiques, honnêtes dans ce monde. And they have compassion towards you. Et ces pratiquants, ils ont de la compassion envers vous. This means they are willing to teach you. Ce qui veut dire qu'ils sont, ils ont envie ou ils sont d'accord de vous enseigner. And you have devotion to Buddha Dharma Sangha. Et vous-même, vous avez la dévotion envers le Bouddha Dharma Sangha. That's precious human body. Ça, c'est une précieuse vie humaine, un précieux corps humain. You know, in a nutshell. En essence, en résumé. Of course, maybe I should have said healthy human body. First of all, you need a healthy human body. J'aurais dû peut-être tout d'abord dire qu'il faut un corps humain sain, en bonne santé. I guess if you cannot see and cannot hear, both together is a problem. J'imagine que si vous ne pouvez pas voir ou vous ne pouvez pas entendre, ces deux choses-là peuvent être un gros problème. So this type of body is it's like a great vessel. It's like a great ship, you know. Ce type de renaissance de corps, d'opportunité, c'est comme un bateau, c'est comme un vaisseau. It's really like you want to escape a place
And you are just waiting and waiting and waiting at the shore. And you want to cross this ocean that is between you and this wonderful paradise that is the liberation of your mind. And between there is a dangerous ocean. And you've been waiting for thousands and billions of years. And you have tried many times. You have tried to swim. You have tried to walk. You have tried to, build your own raft or whatever. Nothing worked till now. And then suddenly, now, for whatever reason, you have this impressive ship, not just a boat, not just a raft, but an impressive ship that is really capable to take you anywhere you want to go. Donc imaginez, c'est comme si vous étiez sur le bord de la sur le bord de mer et que vous avez envie de traverser pour aller de l'autre côté, qui est l'endroit où se trouve le paradis, la liberté et la libération. Et ça fait pas juste quelques années, mais ça fait des airs cosmiques, ça fait des airs infinis. Ça fait tellement longtemps que vous êtes sur le bord et que vous avez envie de traverser. Vous avez essayé plein de façons différentes de traverser. Vous essayez de nager, de marcher, de contourner. Vous avez construit votre propre bateau, mais ça n'a jamais marché. Et tout d'un coup, aujourd'hui, vous avez votre propre vaisseau, un bateau extrêmement bien équipé et parfait pour traverser cet océan. So it is rare and it is really, really precious. Et donc c'est extrêmement, cette opportunité-là qui arrive enfin, elle est extrêmement précieuse. I think we really need to contemplate on such capacities of human form. Et à cette image, on devrait réfléchir à notre potentiel de notre corps humain, de notre vie humaine. Because in the West, I met with something I've never thought was possible. Parce qu'ici, en Occident, j'ai rencontré une chose que j'ai jamais pensé qu'il serait possible. Not just the West, I think now also in the East too, similar thing happening. Et non seulement à l'Ouest, mais aussi maintenant en Orient, les choses pareilles se produisent. I don't really understand it. I'm still trying. Et j'ai toujours pas vraiment compris. J'essaye encore de comprendre. This thing that people tell me that they have, self-loathing. Cette chose que les gens m'expriment, qui est une très mauvaise estime de soi, ou comment on traduit, une dévalorisation importante de soi-même. It's I mean, I guess it's all over the world. J'imagine que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout autour du monde. Feeling insecure, unimportant, useless. Se sentir insécure, pas important, qu'on ne sert à rien. Like you do not matter. Vous ne savez pas ce qui compte, en fait, vous ne comptez pas. Yes. We really need to contemplate on the immense capacity that you have to influence the whole world, to influence hundreds and thousands of beings. You know, you can do with the small things like, let's say, an army of ants are walking right into a small stream, you know, and you just put a stick there, and they use that as a bridge. For you, few seconds, because you are human, you can think, you can do that. For them, it's just, you opened a whole new door to this world for them. It wasn't possible for them to cross this water. Now you made it happen. Vous devriez alors, pour remédier en fait à cette mauvaise estime de soi, contempler comment vous pouvez, avec une toute petite action, vous pouvez avoir un impact sur tellement d'êtres. Pensez par exemple au fait que vous pouvez,
s'il y a des fourmis qui ne peuvent pas traverser un tout petit ruisseau, comment vous pouvez, en mettant un morceau de bois, leur permettre de traverser en évitant un immense détour, par exemple. Donc, vous pouvez réfléchir à combien votre... Pour vous, c'est juste un tout petit bout de bois, ça vous prend quelques secondes, mais pour ces fourmis, ça change complètement, de manière radicale, toute leur expérience. Really, we should really contemplate on all the things that you can do that you can really benefit, you know. Et on peut ainsi réfléchir à toutes les choses qu'on peut faire qui peuvent vraiment être utiles et au service. Especially human intelligence. En particulier l'intelligence humaine. That is really, it is said that even bodhisattvas born in higher realms, they pray, may I reborn on earth, become a human being. Et il est dit que les bodhisattvas qui sont nés dans des terres supérieures, pures, prient pour renaître en tant qu'être humain, pour revenir en tant qu'être humain. Because it is said that there is no suffering, you know, that is not represented on this earth. Parce qu'il est dit qu'il n'y a pas de souffrances qui sont représentées sur cette terre. Whatever suffering there is in other world, in hell, realm, hungry ghosts, you find equivalence in on this earth, all of it. Sur la terre, on a une représentation de toutes les souffrances et de tous les niveaux de souffrance qu'il y a. And whatever joy in this in samsara is all again represented on this earth too. Et toutes les joies aussi, tous les bonheurs du nirvana sont aussi représentés sur la terre. Some can experience heavenly joy, some can, you know, experience mundane joy. Doesn't matter. All present on this earth. Et on peut expérimenter des joies mondaines ou des joies spirituelles paradisiaques. Tout en fait est représenté sur la terre. And for a dharma practice, it is said to be the really like perfect sort of, you know, balance. Et donc pour la pratique bouddhiste, pour la pratique du dharma, on a donc ici sur terre l'équilibre absolument parfait. And we have this human intelligence that is capable of really grasping such teachings of Four Noble Truths and so on. Et on a donc l'intelligence qui nous permet de capter, de comprendre des concepts comme les quatre nobles vérités, etc. Almost not possible in the next life for many of us. Pratiquement impossible dans la prochaine vie pour de nombreux parmi nous. They say the cause of precious human rebirth is abandonment of 10 negative actions. Et on dit que la cause d'obtenir la précieuse vie humaine, c'est l'abandon des 10 actes négatifs. That's... Who can do that? Mais qui peut faire ça? It's like a fairy tales. C'est comme un peu un conte de fées. You know, even the easiest one, no harsh words, no gossiping. This is the easiest one. Même les plus faciles, hein, comme ne pas avoir des mots durs ou des mots blessants, ne pas bavarder inutilement. Then, no killing, no lying, no stealing. Et après, d'autres comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir. Then the hardest is no harmful, having no harmful intention. Et les plus durs, c'est par exemple ne pas avoir d'intention malveillante. Having no misunderstanding of dharma or reality. Ne pas avoir de mécompréhension, de mauvaise interprétation du dharma ou de la réalité. Actually, not just that, having no misunderstanding of someone else. Et pas juste comprendre les mauvaises interprétations des autres.
No, blaming someone for something they didn't do. Ne pas blâmer les autres pour quelque chose qu'ils ont fait. That's a misunderstanding. Et ça, c'est une mauvaise compréhension. Then, most difficult is napsem, this wish to have things others have. Et aussi, une autre chose extrêmement complexe, c'est de ne pas souhaiter des choses que les autres ont. Now, did the Buddha meant to scare us by saying all this? Est-ce que le Bouddha avait l'intention de nous faire peur en mentionnant tout cela? Maybe. Peut-être. But does it mean it's not true? Est-ce que ça signifie que c'est pas vrai? I mean, when Buddha said, this is the cause of precious human rebirth, so it is extremely rare and unlikely that many beings will be reborn again and again as having a precious human rebirth. Donc, quand le Bouddha disait que c'est extrêmement complexe d'obtenir toutes les causes qui permettent d'avoir une renaissance humaine et que c'est très difficile de les obtenir encore et encore pour continuer à renaître comme être humain. He really meant it. That this is really true, says the Buddha. Il le disait vraiment et c'est la vérité, c'est vraiment, c'est réel. So, he says, next life, don't postpone things to next life, saying, taking this life as important and practicing Dharma as a side thing. Like, you know, when you're done everything else and now you want to do a little bit of Dharma too, you know, to just enhance your life. It says not to do like that. Not to say, I'm sure the next life or the next life, someday I will practice well. Because he says, there is no guarantee you will get this again. It's extremely rare. Le Bouddha donc disait qu'on ne devrait pas reporter les choses à la prochaine vie. Ce n'est pas qu'on pratique pour améliorer sa vie par-ci, par-là. La prochaine vie, on n'est pas sûr qu'on pourra vraiment pratiquer à nouveau le Dharma et qu'on aura cette opportunité. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Especially you, Uchitome says, especially you who want to liberate all sentient beings, you should really work hard day and night. Et Togme Zangpo disait, particulièrement vous qui avez fait le vœu de libérer l'infinité des êtres, vous devriez vraiment travailler particulièrement dur. Because you want to do the biggest thing there is to do. Parce que vous voulez faire la chose la plus grande qu'on peut faire. You know, again, rational, it's logical. C'est logique, c'est rationnel. Ouais. Yes, you are saying, I want to liberate all sentient beings. Vous voulez libérer tous les êtres sensibles. Then he says, you better work hard then. Et alors, vous avez meilleur temps de travailler dur, hein, pour ça. Then, what is the first thing? He says, first thing you should do is hearing, contemplation and meditation of Dharma. Donc, la première chose que vous devriez faire, c'est écouter, réfléchir, contempler le Dharma. Because then some people get very excited and then want to do things like putting food, like a chocolate in people's mouth and stuff. It says that comes afterwards. First, what you do is you learn the Dharma. You hear, contemplate, meditate the Dharma. Parce que certaines personnes deviennent un peu frénétiques et s'agitent en voulant donner du chocolat à tout le monde. Mais là, la première chose à faire, c'est vraiment d'étudier, réfléchir et pratiquer le Dharma. This is what he did himself. C'est ce que lui-même a fait. Jessing Muchu told me he studied a lot. Donc, Togme Zangpo, il a vraiment étudié énormément.
He went to, you know, different teachers, so many teachers. You can see the list of his teachers in his biography. Il a rencontré énormément de maîtres. Vous pouvez voir la liste de tous ses maîtres dans sa biographie. Not only human teachers, but beings like Avalokiteshvara and Tara. It is said he could really receive a lot of teachings from them too. Et non seulement des maîtres qui étaient physiquement présents, mais il a aussi eu des visions de déités comme Avalokiteshvara ou Tara. He got the name Thogme. It's not his real name, actually. It's like a nickname. Et il a obtenu le nom de Thogme, qui n'est pas son nom véritable, mais un surnom. His real name is Tsangpo-pal. Son véritable nom, c'est Tsangpo-pal. But when he was 18 years old, one of his teachers asked a very difficult question to the whole assembly. And only he could reply, and only he could argue and prove his reply. And the teacher said, you are really asanga. Asanga means impenetrable, unstoppable. Donc quand il avait 18 ans, en fait, Thogme Zangpo, il a pu répondre à son maître qui posait une question à toute l'assemblée. Et lui a pu y répondre et il a pu aussi argumenter et débattre par rapport à cette réponse qu'il a donnée. Et donc son maître alors lui a donné le nom de Asanga, en fait Thogme, qui n'est impénétrable. I think, Anne, should we have a break or what do you want to do? You're the boss. Est-ce qu'on veut une pause? What time is it? I don't know. Est-ce qu'on fait une pause? You decide, Rinpoche. Okay, 10 minutes break. 10 minutes, okay. Thank you. See you soon. Thank you. Thank you.
Are you in the center? I think. Yeah, no problem. No rush. J'en prends aussi moi. Bon, j'essaie de me concentrer. Je t'aide. Are you in the center, Anne? Est-ce que tu es dans le centre, Anne? Il te demande. In the center? Yes, we are in yes. the center. Yes, in the living room, not in the temple. Oh, yeah. In the dining room, as you know, this dining room, you have been there already. Oh, yes. You are at home here. You have a very nice book I saw. It's called The Iron Man. Very nice book. C'est un très bon livre. Yes. This one. Tu peux l'introduire, tu peux dire. Yes, this book is available at our center. If somebody needs this book, we will be very happy to send it. Just inform us about your address. Which book is it? It is a translation of the 37 practices in French and also the commentary, short commentary of Kenshin Sherab Amipa Rinpoche, who is my master. Late, passed away. Donc Anne disait juste que elle a effectivement écrit la traduction. Elle a écrit la traduction du commentaire qu'avait fait Kenshin Sherab Amipa Rinpoche sur les 37 pratiques des Bodhisattvas. Du coup, si vous souhaitez ce livre, n'hésitez pas à nous écrire et puis nous demander nous donner votre adresse, on vous l'enverra. Mais il y a aussi la traduction des 37 pratiques elles-mêmes. Et du coup, il y a la traduction. Voilà. Okay. Yes. Right, then we resume the next tense. Ninji chola, dacha chudrayo, dai chola, shadang metar bar, langdor jibi, timug munakim, payulpong, jasilavi. Donc la deuxième pratique, certains liens de parenté sont aussi mouvants que les eaux. La haine pour nos ennemis, tel un feu, nous consume. L'esprit obscurci par l'ignorance divague. Il ne sait plus ce qu'il peut accepter et ce qu'il doit refuser. Éloignez-vous donc de votre patrie. Ainsi pratiquent les bodhisattvas. I really like the English translation here. By Adam Piercy on the Lots of Our House, I think you have that one, that says the practice of all the bodhisattva is to leave behind one's homeland, where our attachment to family and friends overwhelms us like a torrent. Like a torrent, such a good choice of word.
Moi, j'apprécie beaucoup la traduction qui a été faite par je vais vous dire le nom, l'Otsawa House, et qui dit en anglais que les attachements à notre famille et nos amis nous submergent comme un torrent. Yes. Donc, you have that in French too, torrent? Yeah. Non. Aussi mouvant que les eaux. Alors, c'est pas aussi. Almost. C'est pas aussi fort. It's not so strong. Yes. Nien di chola do cha chutri dai chola shedam medre bol. Ando je bitim munan je poi po ma jasela. I think it's difficult to see this, you know, to know this, to realize this. Je pense que c'est difficile en fait de vraiment le voir et le réaliser cela. And there is a lot of unwillingness, like subconsciously too, like a strong unwillingness to accept that your homeland is not the, you know, the most suitable of places. Doesn't mean you cannot practice. Of course not. You can. Et je pense qu'il y a de nombreuses résistances inconscientes aussi au fait d'accepter cela, le fait que notre lieu de naissance ne soit pas un endroit idéal pour la pratique. Bien sûr qu'on peut pratiquer dans notre lieu de naissance, mais par rapport à ce qui est dit dans ce texte. But you know, you can try to do two things with this type of text. Either you try to understand what Mulchutome meant, or you try to understand what does it mean for me. Et donc, sur un enseignement comme celui-ci, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez essayer de comprendre ce que Togme Zangpo a voulu dire en expliquant cela. Et vous pouvez voir, la deuxième chose, qu'est-ce que cela impacte pour moi? Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Oui. So, if you... I don't speak French, by the way. Don't say woo or something like that. I'm not going to be able to follow you. But if this is how you look at these texts, seeing what is it for me, what can I extract, you know, then you will never get what Mulchutome meant. You will only understand what is your capacity to believe, and you will not go beyond that. Donc en fait, si on réfléchit à qu'est-ce que ce texte signifie pour moi et quel impact il a pour moi, on n'ira jamais au-delà de qu'est-ce que voulait vraiment dire Togme Zangpo quand il a écrit cela. Et donc c'est important de aussi étendre un peu notre compréhension. This is another thing that people ask. You know, they say, how do I put this into my day-to-day practice? You know, like how do I practice this now? You know, what does it, how do I relate with this? Like this type of things people say. Ça, c'est quelque chose que les gens demandent ou questionnent. Comment est-ce que je me relie à cela? Comment est-ce que je l'intègre en fait dans ma vie? Ah oui, merci. You know, if everything can be relatable to you, if everything can be within your grasp, then all those things are very mundane. Donc, j'ai pas compris si tout est. Sorry, can you just repeat the first part? No. If everything fits in your life, if everything is grasped, you can grasp it, you can, you know, extract whatever information you want from it and then be happy with that. That means it is fitting your life. It is very samsaric. Si vous arrivez à retirer l'essence de cet enseignement et que ça s'inclut dans votre vie, que vous arrivez à l'intégrer dans votre vie, ça peut être assez samsarique. So what if it sounds impossible? Et alors, si ça paraît impossible? Nirvana should sound impossible.
Le nirvana, en fait, apparaît impossible. You know, if you really think about it. Si on réfléchit bien. No anger, no desire, no grasping, no ignorance. Pas de colère, pas de désir, pas de, d'irritation. Tout ça, ça paraît impossible. You want such an impossible result? Then the course has to be also different. Si vous voulez quelque chose qui apparaît comme impossible, alors bien sûr, il faut que ce soit un peu différent. Now the thing is that, do not be discouraged though, thinking I can never do this. Mais cependant, ne soyez pas découragé en pensant je pourrai jamais le faire, je pourrai pas y arriver. Recently, somebody told me that they were reading through this text and suddenly they thought, what is this? This is not possible. Récemment, and get discouraged. Récemment, des gens de mon entourage ont lu ce texte et ils ont dit, mais quoi, mais c'est impossible, c'est pas réaliste. Ils ont été découragés. Now, Mochu Thogme is an authentic practitioner. Donc, Nyushul Thogme est un pratiquant authentique. Someone who really, not just that he was a really good practitioner in his daily life, but he actually spent, I think, altogether 24 years of his life in a cave, in retreat, like something like that. Non seulement c'était un excellent pratiquant, mais il a passé 24 ans de sa vie, 24 ans de sa vie dans des retraites, dans des grottes, à méditer intensément. Someone who is really dharma practice is non-negotiable for him. Pour lui, la pratique du dharma était non-négociable. You cannot reason with this guy. On peut pas argumenter avec lui. One day, when he was in a monastery and at the gate there was a beggar who had fleas all over his body, flea infested. I think it's fleas or lice. At lice, I think it's lice infested. Les puces. C'est puces. Les puces. Ouais. C'est ceux qui se mettent les poux. Ouais. un jour, donc, Thogme Zangpo était. Il y a un mendiant qui est venu à la porte du monastère, et ce mendiant était infesté de poux et de puces. Dans le doute, on dit les deux. Couvert de partout. Ouais. Yes. And he would give this beggar food in the night when nobody can see. So it's not a show or a display. So he would hide in the night to give food to this beggar. Et donc il donnait de la nourriture à ce mendiant la nuit afin que les autres ne le voient pas et qu'il ne montre pas sa générosité. One night, the beggar was not there. Un jour, une nuit, le mendiant n'était plus là. And next day, he looked for the beggar. He found the beggar in a bit far place, not near the gate. Et un jour, donc il a commencé à regarder où il était. Il l'a vu beaucoup plus loin du monastère. Il était plus proche de la porte comme d'habitude. And he asked him, "Why did you change place?" Il a demandé, mais pourquoi t'as changé d'endroit? The beggar said, "Oh, people say that it's they don't want to look at me when they're passing by, you know, going in and out of the gate because this beggar is dirty and it's lies, so and it's stinking, you know. So they told me to go to other place, so I sit here." Et donc le mendiant lui a répondu, mais en fait parce que je sens mauvais et les gens ne veulent pas me voir avec mes habits sales et mon odeur et le fait que je suis couvert de puces, donc ils veulent que j'aille plus loin, donc c'est pour ça que je suis venu plus loin.
You have his biography in French? Yes, we can find it. Yeah. You think it's translated? Yes, we can find that translation. Yeah. Yeah, yeah. Oh, that's good. And toi, tu l'as pas traduite dans ton livre. Quoi donc? La biographie. Non. Oui, elle est. Okay, I have it in a French book. I know. L'Amrim. Just a minute. I will find it. No, it's okay. Yeah. If you have it, please give the link to the participants for them to read. You know, French or English or whatever. Okay. À l'introduction, dans l'introduction. The link to the book or to the text, because it's in a book. Yeah, I can give the book. What is the name of the book? It's called Au cœur de la compassion. I'll show you the. Just a minute. Et ça, c'est la biographie là. Yes. We have this book. Oh, from Dilgo Khyentse. Yeah, with the commentary from Dilgo Khyentse. It's called Au cœur de la compassion. That's very good. Heart of compassion. In this book, there is the biography of Tulku. Very of, short, though. Of Mesampo. Yeah. But very short one, I think. Yeah, it's not complete. Yeah, that's right. It's maybe someone should try to translate them. There are three or four different biographies. Some maybe 50 pages, some maybe 80 pages. No, really important. Mm. Donc, certaines, quelqu'un devrait essayer de traduire parce qu'effectivement, il y a quatre biographies et il y en a qui font 50 pages, d'autres 80 pages environ. Okay. So, what happened now is that he couldn't, when he heard that, the people kicked this beggar out because they thought he was disgusting to look at. He couldn't comprehend and he broke down. He started weeping and he took the beggar to his home and gave beggar food, make beggar take a shower, a sort of bath, and then gave him new clothes. So all the lice was on the now old clothes. And so he thought, if I let it out, it's freezing outside. They're going to die, all the insects. Now it's the only logical is that I should take care of them. So he wear this cloth and he had wound all over his body. And he couldn't come to the you know, pujas and so on. So his friends start to come see what is going on. Et donc, Dogme Zangpo, quand il a entendu l'histoire du mendiant qui disait qu'il était rejeté et qu'il était loin donc, de la porte d'entrée, il n'a pas supporté ça. Il était triste et il était vraiment affligé. Donc, il a décidé de le prendre avec lui dans sa chambre. Et donc, quand il l'a pris dans sa chambre, il lui a permis de prendre un bain, il lui a lavé. Et puis, changer d'habit. Et du coup, il a pensé, ben, ces habits, on va les mettre peut-être dehors. Mais après, il a réfléchi, il a dit, mais ça va tuer toutes ces puces et ces poux qui sont sur ces habits. Et donc, ça ne va pas. Donc, il faut continuer à les nourrir. Donc, il a décidé de prendre et de porter les habits du mendiant. Voilà. Et du coup, il n'a plus pu aller au puja et au rituel habituel. Et donc, ses amis et ses proches et les autres moines sont venus le voir et lui poser la question comment il allait. He was a student at that time, actually. À cette époque-là, il était un étudiant. So, quite young. C'est jeune. And then they saw what is happening and they tried to tell him, you have to take this off. What are you doing? No. You are not ready. You do not have enough compassion for this. Et il a dit, il faut arrêter, tu n'es pas encore assez avancé pour faire ça, tu n'as pas assez de compassion pour faire ce genre de choses. And they quote sutra and teachings of Shantideva to him, saying, you know, giving your body to others
when you do not have great compassion, is also a downfall of bodhisattva. Et donc, ils ont cité des sutras et une stance de Shantideva qui dit que tant qu'on n'a pas une très grande compassion, donner son corps est une forme de chute des vœux de Bodhisattva. Voilà. He doesn't listen. Il n'a pas écouté ça. And he wears the clothes for 17, 18 days, by which time, and he makes aspiration for all the bugs, you know. And they were all sort of, they all died within 17, 18 days out of his compassion. And when they die, he gathers all the dead body of the insect and makes chacha for them, you know. Et donc, Thogme Zangpo a donc fait des prières pour ces insectes qui étaient sur son corps. Et en l'espace de 17 à 18 jours, ils sont tous morts. Et alors, il les a rassemblés, récupérés, et il a fait en fait des tzatza avec les corps de ces insectes. That is the kind of person who wrote this book. Et ça, c'est ce genre de personnes qui écrivent ces livres-là. So you have to, you know, try to look at this through his perspective. Et donc, on doit essayer de voir les choses à travers sa perspective à lui. That's all dharma is, actually. Mais tout le dharma, c'est ça, en fait. Trying to see phenomena through the perspective of Buddha. Essayer de voir les phénomènes à travers la perspective du Bouddha. Because that is what we believe, is the reality, is the truth. Et ça, c'est la réalité, c'est la vérité, c'est la perspective à avoir. You know, so when you read these, think that this is how people, you know, some bodhisattvas practice, and may I be able to practice like this? On devrait penser quand cette manière de penser, cette manière de voir, c'est la manière dont ses maîtres le faisaient, et on devrait aspirer, dire, puissais-je moi aussi voir et percevoir les phénomènes de cette façon? Then it's okay. If you cannot let go of your house, doesn't mean you read this now, you give your car keys to your husband and wife and you just leave it. Not like that, you know. Et donc c'est ok si après on n'arrive pas à vraiment le faire dans son entièreté, on va peut-être pas donner les clés de sa voiture à son mari et sa femme et partir. But also, you know, to have this awareness that yes, I'm here, I'm practicing like this. This is what I can do now. But one day, I will practice like Mulchu Thongme. Peut-être on peut dire, OK, pour l'instant, je n'arrive pas à pratiquer tout exactement comme il l'enseigne, comme il le conseille, mais un jour, je le ferai. You know, either in this life or next life, may I be able to do that? You make aspirations like this. On fait cette aspiration un jour dans cette vie ou la prochaine, mais je vais pratiquer, je souhaite pratiquer de cette façon. So he says, Nyingi Chola Docha Chudaryus, towards our loved ones, our desire, it's like a source of a river, you know, at the source of a river under the glacier, the water is just bursting out. It's like that. Donc les attachements à ses proches, hein, comme c'est écrit, certains liens de parenté sont aussi mouvants que les eaux, mais c'est comme un torrent, c'est comme l'eau qui sort d'un glacier, c'est extrêmement puissant, ces attachements. Unstoppable. Et, mais c'est possible de les arrêter. Incalculable. Pardon? Incalculable. Incalculable. You know, and to, so because of that, because you value some people so much, or you know, you are so attached to these, automatically, you know, because these beings have their karma. So because of their karma, they will go through harm. And those who harm them, you will look as your enemy.
Et de parce qu'on a un tel attachement pour nos proches, on est tellement lié à eux, on est très, très sensible à leurs ressentis. Et comme eux, ils ont leur propre karma, il y a des gens qui vont leur faire du mal, qui vont les blesser. You know, when I was in monastery, as a monk, when I was a monk, I used to think, I will never kill anybody. Never, never. This is impossible for me. I cannot imagine. You understand? Yeah. Donc, quand moi j'étais jeune et que j'étais dans un monastère, j'étais moine, je disais, moi je ne pourrais jamais tuer quelqu'un. Ce n'est impossible, ce n'est pas possible que je puisse faire ça. Sort of hitting somebody, really. Par exemple, de taper quelqu'un ou de frapper quelqu'un. Breaking their legs and limbs and nose and ears. De casser leur nez ou leur jambe ou leur faire du tort, quoi. Now I love my daughter so much. I can imagine doing those things. Maintenant, j'aime ma fille tellement que je peux imaginer que je pourrais faire quelque chose comme ça. I cannot bear the pain when I imagine a small needle going in her finger. Maintenant, j'ai de la peine à imaginer la souffrance qu'elle a. Enfin, j'arrive pas à supporter l'imaginer la souffrance qu'elle pourrait sentir quand une aiguille traverse son doigt. Imagine what I will do to somebody who really harms her. Imaginez ce que je pourrais faire si tout d'un coup quelqu'un lui faisait vraiment du tort. Now I'm like a spider trapped in his own web. Maintenant, je suis comme une araignée qui suis prisonnière de ma propre toile. So, this is what he means. The charcuterie, that your desire to your loved one flow like a river current automatically. Then, to those who harms you and your loved one, the stronger your love for them, stronger your anger will be. Donc maintenant, le flot de l'attachement est si fort que le plus on est attaché, le plus on peut avoir de la colère envers eux. So, envers les autres. This is what I'm living these days, you know. Mais c'est ça que j'expérimente aussi en ce moment. You know, in the monasteries for 12, 13 years, oh, it's just so, such a good life. Vous savez, pendant 12, 13 ans, j'étais au monastère. C'était une vie, une bonne vie. Now I forget all the practice. Maintenant, j'ai tendance à oublier les pratiques. So he says in the third line, Langdor Jibbe Timuk Munachins, that not only desire and anger just desire flow like water and anger burst like a flame. But it is also a very dark place full of ignorance. Donc, non seulement il peut y avoir des torrents d'attachement pour les proches ou d'un feu très fort qui brûle comme la haine pour nos ennemis. Non seulement ça, mais c'est aussi un endroit sombre et obscur de l'ignorance. That type of dark, thick darkness of ignorance makes you forget what is right and what is wrong. Et cette ignorance nous fait oublier ce qui est juste, qu'il faut accepter, et ce qu'il faut rejeter. This is again so true. Ça va être nouveau, tellement vrai. For a few years, I was not a bad practitioner for just like 1 year, like maybe 6 months. Pendant toutes ces années, j'ai pas été un mauvais pratiquant, hein, peut-être juste 6 mois. Because I was very new and, you know, excited and all that. J'étais tellement nouveau, frais, excité par ça. Then, when I go to visit my family, you know,
And they talk about the neighbor. This is what the neighbor did. This is what he, she did. Just like useless talk for my ears, because for those short moments, I was really focused on sort of liberation and enlightenment and stuff like that. Donc à cette époque, quand j'allais voir ma famille et puis racontais les problèmes avec les voisins et ce genre de tensions et de conflits qu'ils pouvaient vivre, moi, je n'étais pas du tout concerné par ça. J'étais tellement orienté vers la pratique, vers la libération, vers l'éveil. Now, I can write a book about the neighbors. I can, you know, I can really criticize everybody. Maintenant, je pourrais écrire un livre sur mes voisins. Je pourrais les critiquer tellement facilement. You know, I have sunken so deep that I like it. You know, like when I see something new, what the neighbor is doing, I say itch, and I come home and I tell everybody, hey, they're doing this, they're doing that. All the conception. This is real darkness. Darkness is not nobody switching off the light. But you're so engrossed in useless, meaningless things that you forget what is important. Maintenant, si par exemple il se passe quelque chose de nouveau avec mes voisins, je suis tout de suite très attentif et je vais tout de suite aller voir ma famille, mes proches et leur expliquer, leur raconter tout ce qui se passe. Et en fait, c'est ça, on est de plus en plus pris par l'ignorance et complètement submergé par cette ignorance qui nous permet pas de voir ce qu'on devrait faire et ce qui est juste, ce qui est pas correct. So Mucho Thomas says, abandon such a country, such a village, city, you know. This is the practice of Bodhisattvas. Thogme Zangpo donc explique, on devrait donc abandonner notre pays, enfin notre région, et ainsi on peut pratiquer plus correctement. Of course, abandonment of homeland could look like what he did, that he actually left. People like Milarepa, who actually left their homes. Apparemment, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Donc, ils ont quitté leur pays, leur terre natale, et ils sont allés pratiquer beaucoup plus loin. But the main abandonment, again, now, remember at the beginning, I said, this is part of transformation of the mind. So main abandonment has to happen from the mind, in the mind. Et l'abandon principal, il doit avoir lieu d'abord dans l'esprit, en nous-mêmes, avant que ce soit extérieur. Or else, you leave, some people who read such things, they get so inspired that they leave their job, security, everything, and go to Nepal, go to Bauda. Yeah. And after some month, meet a beautiful boy and fall in love, and then go to Peru for ayahuasca retreat, you know. Certains sont tellement inspirés par ces enseignements qu'ils quittent leur terre natale, ils partent au Népal, à Bauda, et ils commencent à pratiquer. Et là, ils rencontrent un jeune homme extrêmement beau, et finalement, ils partent au Pérou pour essayer l'ayahuasca. That's not abandoning the homeland. That's changing homeland, you know. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas abandonner sa terre natale ou quitter sa terre natale, c'est juste changer de pays. It's really. Jizun Trapo Jazin says, those who do not let go of this life, even though they stay up high up on a mountain, their mind will be busy all the time. Ceux qui n'abandonnent pas les préoccupations de cette vie, même s'ils partent au sommet d'une montagne pour pratiquer, leur esprit sera tout le temps occupé, agité. Then there are people who abandon their homeland by still living in the homeland. Il y a des gens qui
qui abandonnent réellement leur terre natale tout en vivant dans leur terre natale. When Sakya Pandita was invited to meet the grandson of Genghis Khan. Quand Sakya Pandita a été invité à rencontrer le petit-fils de Genghis Khan. On the way, he met. I mean, there were many who sort of looked at him like a celebrity, not a practitioner. He's a famous man, you know. Kings and ministers want to meet this guy like that, but not a real practitioner. Les gens le considéraient comme une célébrité. Les gens voulaient le rencontrer, mais pas forcément comme un maître spirituel. Comme un pratiquant. Comme un pratiquant, ouais. So somebody asks him, "You have been, you know, you have been doing things your whole life. You've been teaching your whole life, and so many people want to see you. And there's so many things you build libraries and temples and statues." Didn't it bother you that you couldn't practice? Donc les gens lui ont posé la question, mais tu as construit des temples, tu as construit des librairies, tu as fait tellement de choses, mais est-ce que ça t'a pas embêté de pas pratiquer? And he said, "I didn't notice. I know because I was never distracted." Il dit, j'ai pas réalisé en fait parce que j'ai jamais été distrait. Distracted, never distracted. So what it means is that you see what's happening with you right now, and you watch that. You watch how desire grows, how anger rises, and how ignorant you're becoming day by day, and then have a sort of a sense of longing, you know, for such a practice, and also have a sense of mistrust towards what previously you think like a warm nest, safe place for yourself. Now you see that it's not. Donc quand on pratique ça, on arrive à un moment où on réalise qu'on a une forme d'une aspiration, d'une envie d'atteindre cet état de renoncement et un dégoût pour ce qu'on considérait comme quelque chose de chaud et d'agréable et de plaisant. Yes. And still continue being there if you have to, but you know, watching your mind and not being too swept away. Et donc on peut observer son esprit et ne pas être trop emporté ainsi. Yulngen pangbe nyomo. Now these two stanzas are kind of connected. The next stanza, Yulngen pangbe nyomo rimje dip namyeong nyebe yejor ngangi pel. Rigpa thangbe chole ngeshi jibemba thangbe jase lale yin. Et donc on arrive sur la troisième, ça connecte avec la troisième strophe qui dit: en abandonnant ce qui était nuisible aux autres, les passions peu à peu se dissipent. En renonçant aux distractions, nos actes vertueux se multiplient. Une claire conscience permet au dharma de grandir. Ainsi pratiquent les bodhisattvas. Yes. Yulngen pangbe nyomong rim tidip. So then, what will happen if you abandon such a homeland? What will happen? He says, those who abandon such a bad place. See? The way Muchu Thome look at things and the way we look at things is opposite. You know? We look at our home as, like I said before, like our safe, warm, cozy nest that we have built twig by twig, you know, window walls, new furniture. It's like, we make it more and more comfortable, you know. But he looks at it as a
bad place. And he says, when you abandon such a bad place, automatically afflictions go down. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on abandonne sa terre natale, hein? Nous, on voit qu'on a construit cette maison ou notre environnement de manière de plus en plus confortable. On voit ça comme quelque chose de très agréable à y vivre. Mais lui, Togme Zangpo, il considère que c'est un mauvais endroit et que c'est un endroit dans lequel on ne peut pas développer du coup ses qualités. Yes. Namien me be gejo nangi pers. And when you are not in such a place that gives rise to attachment and anger and ignorance continuously, then you are at a place with very little or no distraction. Donc quand on est dans un endroit comme ça, on est sans arrêt assailli par les attachements, l'ignorance et l'aversion. Et donc, on est sans arrêt distrait. Gejor nangi pels, then. Yeah. That virtuous practices, virtuous attitude will grow automatically. Et donc, quand on n'est plus dans ces endroits, les vertus, les actions positives naturellement vont se développer. And your mind will be clear, you know, mind is clear. L'esprit devient clair. You will understand Dharma better, he says then. Et on comprendra, vous allez comprendre le Dharma de manière beaucoup plus claire. So such a solitude, you know, going to such a solitude is a practice of bodhisattva. Et donc aller dans une solitude comme celle-là, c'est vraiment la pratique des bodhisattvas. This is again, such a huge teaching, this one. À nouveau, c'est un enseignement immense, celui-là. He himself spent more than two decades in a cave. Il a lui-même passé plus de deux décennies dans des caves, dans des grottes, pardon. Have you been in a cave? Est-ce que vous avez été dans des grottes? Just the quietness inside. Juste le calme qu'on y ressent à l'intérieur. Will bring down your blood pressure. Ça va vous faire descendre la pression artérielle. Just quiet, very quiet. Très, très calme. It's really like Sunday, Monday, Tuesday. It's a useless concept to you. Alors, les concepts de dimanche, lundi, mardi, c'est complètement inutile. Just everything sort of falls into its place, sort of quiet, and your thoughts are very loud. Du coup, tout se met en place de manière très, très calme, très tranquille, et vos pensées deviennent très bruyantes. Or near a river, proche d'une rivière, in a forest by yourself, dans une forêt tout seul, you Longchen Rabjam says, if you want to contemplate on impermanence, go near a river or a waterfall.
Longchen Rabjam disait que si vous voulez contempler l'impermanence, ça, allez vers une chute d'eau ou une rivière. Because these natural phenomena have the flavor of change. Parce que ces événements naturels, ces choses naturelles ont la saveur du changement. Chaos. Du chaos. Cause and effect. Une cause et effet. It's scary when you're by alone by yourself. C'est effrayant quand on est seul par soi-même, tout seul. Chela Mishikesh, that's what it means. You will understand Dharma better. Et ça, c'est ce qui signifie vous allez comprendre mieux le Dharma, mieux l'intégrer. And yes, again, don't discourage, don't think that, oh, I cannot do that. So, you know, don't do that to yourself. Ne soyez pas découragé en disant, je ne peux pas, j'y arriverai pas. Ne vous faites pas cela. Almost 99%, 99, as Khyentse Rinpoche would say, 99.99% of Dhamma practice we cannot do right now. It's okay. Comme disait Khyentse Rinpoche, 99,99% des pratiques du Dharma, on ne peut pas les faire, mais c'est OK. You know, but acceptance of that is important. Mais l'acceptation de cet état de fait, c'est important. Or else, you end up doing this initiation, that initiation, this puja, that puja, this retreat here, a little bit of teaching there, a little bit of teaching, not really having any clue about what is my path, where am I, where do I want to go, you know? Et du coup, on peut se retrouver à aller d'un enseignement à l'autre, suivre des initiations, faire des rituels, faire des retraites, de ci, de là, sans avoir aucune idée de quel est mon chemin, quelle est ma voie, comment je parcours ce chemin. That's still good. Mais c'est pourtant quand même toujours bien. But it could be better. Ça pourrait être mieux. And it's not an authentic sort of honest practice. Mais c'est pas une pratique honnête. You want to be honest and authentic, then you look at these texts and see how an authentic practitioner thinks. This is what Lhotse Thongmé thinks. Si on veut être honnête, authentique, on va lire ce texte, vraiment regarder attentivement et dire, voilà, c'est comme ça que Lhotse Thongmé pratiquait, pensait. And wish for that. Et aspirer à faire ça aussi. You know, and You will do it either in this life or next life. There is no way you will not do it. Vous allez le faire, que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas d'autre manière. Vous allez le faire. Because you have heard the name of Buddha. Parce que vous avez déjà entendu le nom de Bouddha. You've taken refuge in bodhicitta. Vous avez pris le refuge, fait les vœux de bodhicitta. So you are marked. There is a mark on your face, on your mind, that you will become Buddha now. Maintenant, vous êtes marqué du sceau du Bouddha. Vous allez atteindre l'état de Bouddha. But when? That depends on you. Mais quand? Ça dépendra de vous. But at some point, you will do all of this practice. Et à un certain moment, vous allez les faire toutes ces pratiques. Because you've taken the bodhicitta vow, so it's guaranteed you will become Buddha. Puisque vous avez pris les vœux de bodhicitta, vous c'est garanti, c'est assuré que vous allez atteindre. These practices are nothing compared to Buddhahood, you know. Ces pratiques, c'est rien du tout comparé à l'état de Bouddha.
So you say and think, I want to become Buddha for the sake of others. So then this is what you have to do at some point. Donc, vous avez fait ce vœu, puis-je atteindre à l'éveil pour les autres. Donc, c'est cela qu'il va falloir faire, tôt ou tard. You are so safe in Switzerland, you guys. Vous êtes tellement sécure, vous, en Suisse. Eating your Lindt chocolates and what not. Manger votre chocolat Lindt et quoi d'autre. All right. Yes, you should really yearn for it, though. You should really, you know, it doesn't mean you shouldn't be in a crowd. You shouldn't be, you know, because that's what you need. That is your mundane need, you know, like food and drinks. We crave for community, we crave for friends, we crave for gatherings, and that's our capacity now. But being within the crowd, you should yearn for a solitude, you know. Pour l'instant, peut-être vous êtes dans la foule, vous êtes occupé dans votre vie, vous aspirez à la nourriture, les boissons, c'est OK, c'est vos besoins mondains. Mais au sein même de cette agitation et de votre vie, vous pouvez vraiment aspirer et vous diriger vers la solitude et vers la réalisation. The more you aspire, that may one day... May I be able to practice like Uchi Thokme, Shantideva, you know, Milarepa, Satyapandita, like that. More especially you, Satya Center, you should know where you come from. You come from the practitioners of Lamde. The masters spend years and years and years in practice, you know, all of their life. So you should yearn for such. More you will pray, the more karma you accumulate, to be able to do that in this life or in next life, and then you will get that. Donc vous devriez vous rappeler que le plus vous aspirez, le plus vous souhaitez que cela arrive, cela va finir par se produire dans cette vie ou dans la prochaine vie. Et pensez à des maîtres comme Shantideva ou Sakyapandita ou ces maîtres et aspirez vraiment à vivre la même vie que ces maîtres ont vécu. C'est dans la tradition, c'est de cette façon qu'on va y arriver. Yurin Trogbe, Zashe Sosorga, Bebe Dubin, Norze Shuld, Lujit Donkang, Namshi Dubbe, Sede Lutang, Jesse Lalayin. La quatrième strophe, pensez à vous séparer de vos amis les plus chers, de vos trésors accumulés avec peine, et songez aussi que la conscience quittera le corps, comme un hôte quitte une auberge. Renoncez aux intérêts de ce monde, pratique les bodhisattvas. Apologies. Another difficult thing to hear. Encore une chose difficile à entendre. Yurin Trogbe Zashe Sosorga. Friends, families, loved ones, whom you have been together with for a long time. So long that now you cannot imagine your life existence without them. Have to go separate ways, he says. Tous ces gens qui sont vos proches, vos amis, votre famille, tous ces gens vous avez partagé du temps depuis tellement longtemps, on peut même plus imaginer vivre. Qu'est-ce que pourrait être notre vie sans eux? Et tous ces gens, on devra un jour les quitter.
during the time of Buddha, there was a mother who carried the dead body of her child everywhere. Au temps du Bouddha, il y a une mère qui a amené, qui transportait avec elle le corps mort de son bébé partout où elle allait. She couldn't part with the child. Elle ne pouvait pas se séparer, accepter, elle ne pouvait pas accepter le départ de son bébé. There was a woman who carried the dead body of her husband everywhere. Il y avait une femme qui transportait le corps de son mari partout où elle allait. She couldn't imagine a life without him. Elle ne pouvait pas s'imaginer même une vie sans lui. Did it stop the reality? Est-ce que ça a stoppé, ça a arrêté la réalité? Did it change the reality? Est-ce que ça a changé quelque chose à la réalité? Not at all. Mais pas du tout. So, from a molecular level to as huge as a mountain, what comes together has to go separate ways. D'une molécule à quelque chose d'aussi gros qu'une montagne, cela va se séparer, va se détruire. That's one reality of phenomena. Ça, c'est la réalité des phénomènes. Now, what we are doing is looking at phenomena and hoping that they will be something else than their own reality. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la réalité et... Je n'ai pas compris. C'est qu'on regarde les phénomènes et qu'on espère que ces phénomènes sont autre chose. Ah oui, on voit les phénomènes et on espère qu'ils ne sont pas impermanents. You know, like we are trying to... Let's say our grasping is our grasping, the impact of our grasping on the reality of phenomena is how when an asteroid falls on the ground, you try to stop it with a spider nest. When what? Fall in the ground? You try to stop it with the spider's nest, you know. Yeah. Ah, yeah, yeah. C'est donc l'impact de notre saisie à la réalité des phénomènes est tel que à la permanence des choses est tel que quand une météorite tombe, on essaye de l'arrêter avec un filet d'araignée, enfin une toile d'araignée. Like two trains. Too super fast, these European trains going in two directions, and you're trying to hold it with both hands. Comme si deux trains TGV super rapides qui se croisent, on essaye de les retenir avec les deux mains. Like a small pebble on the riverbed trying to stop the current of the water. Comme si un tout petit caillou essayait d'arrêter la force du courant. Not possible. Non, c'est pas possible. Things that come together must go separate ways. Yes. So during Trobitzasya Sosorodas, this he says you have to accept this reality. On doit accepter cette réalité. Not accepting this will create suffering for you and for them. It will not change anything. Et de ne pas accepter cela, ça va créer de la souffrance pour vous et pour les autres, et ça ne va rien changer. Baby Drupin Norze Shuldulu. Sorry, you cannot. I don't know why I'm reading this in Tibetan loudly, but anyway. And the wealth, here, not just wealth, material wealth, but not just that. So he says, okay, all the wealth, material wealth that you have, really worked hard day and night together will be left behind when you die.
When you part from them. Toute votre richesse, tout ce que vous avez accumulé difficilement tout au long de votre vie, au moment de la mort, vous allez devoir la laisser derrière, vous allez devoir tout quitter. David Dubin was the shoulder. So, everything. Wealth, your home, job, reputation, your name, your body, even your mind of this life. You cannot carry the mind of this life to the next life. Next life, you could be a butterfly. A butterfly does not have a mind of a human being. You know, even that, everything has to be left. Donc, au moment de la mort, vous allez devoir quitter votre travail, vos proches, votre maison, votre corps, votre nom. Tout, vous allez devoir tout laisser derrière vous. Peut-être la prochaine vie, vous allez être un papillon. Vous n'aurez plus rien en commun avec ce que vous avez dans cette vie. And then he says, the body, even the body that you identify, me, you do not think, hey, don't harm my body. You think, don't harm me when somebody is hitting the body. You identify it so much, you have grasped on it to an extent that it has become you. Even that will be left behind. On s'attache tellement, on s'identifie tellement, par exemple, à son corps. On dit, aïe, tu me fais mal à moi. On ne dit pas, tu fais mal à mon corps. On est complètement imprégné de cet attachement. Et même cela, on va devoir le laisser derrière. Yes. So, all this is this life, he says. It's all in this life. Et tout ça, c'est dans cette vie. And letting go of this life, abandoning attachment to this life, is a practice of bodhisattva. Et donc, laisser de côté, laisser tomber les attachements de cette vie, ça, c'est la pratique des bodhisattvas. Right. So maybe we stop here. And I think we start at 3. Mm-hmm. Yeah. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. Thanks. Have a good lunch. Thank you. Thank you. See you later. 3 o'clock? Merci, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Yann. Thank you. Okay, on se voit tout à l'heure. Merci pour la traduction. Merci beaucoup. Et bon appétit. J'ai fait au mieux. Merci, bon appétit.